ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo boîte aux lettres concours. Donc c'est la numéro 9. Donc j'ai reçu aujourd'hui, nous sommes le lundi 7 mars, l'envoi de Annick D. Donc Annick, merci infiniment de ta participation. Tu m'as envoyé une enveloppe très dodue. Donc tu as le numéro 21. Voilà, je mets sur le côté pour montrer. Ah, ben voilà, il y a une enveloppe dans une enveloppe, c'est pour ça. Ah, ben ça, c'est un envoi emballé. Hop là. Hop. Oh, c'est très dégueu, mon bête. Alors, oh là là, il y a plein de choses. Oh là 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 là, oui, tu m'as mis plein de choses. Alors, que je trouve ta carte, que je fasse attention, je ne veux pas qu'on voit tes coordonnées. Oh, bah tu m'as fait plein de choses. Oh, bah dis donc, ça doit être la carte, je pense, très jolie. Ça, c'est l'ATC. Ça doit être la Memory Dex. J'ai bien fait de regarder parce qu'elle était... Voilà, l'ensemble de tes coordonnées. Et ça, c'est une pochette. Oh, bah dis donc. Ouf. Bon, bah, prenez un petit thé ou un petit café, hein, parce que... Annick m'a envoyé plein de choses. Donc une très jolie carte. Alors ça va être une carte Ah, très sympa, c'est une carte chevalet. Ça s'ouvre. Alors attendez. Je pense qu'elle se met. Alors attendez. Que je trouve. Oui, elle s'ouvre comme ça. Alors, on a un joli papier avec des petites abeilles. Papier gris. Alors je cache parce qu'on voit une partie de son petit mot. Un petit papier gris avec des toutes petites abeilles noires, très jolie, une belle découpe dans un papier pailleté, légèrement pailleté bordeaux, j'aime beaucoup. Des petites plumes toutes douces dans les tons un peu parme. Et la carte, alors attendez, je cache, la carte s'ouvre comme ça en fait. Donc ça va être une carte apposée, ah très sympa. Mais oui, tout, ça va me plaire. Début dans le scrap. Tu découvres plein de choses. C'est vrai qu'au début, on en... C'est un univers tellement riche qu'on en découvre. Même moi, encore au bout de 5 ans, j'en découvre toujours. Hein. Tu ne sais pas encore tout faire. C'est normal. Amitié de scrappeuse. Ben, moi aussi, je te renvoie mes amitiés de scrappeuse. Je te remercie énormément de ta participation, Annick. Ça me fait très plaisir. Donc, dans un premier temps, on a la Memory Dex. Donc une jolie Memory Dex avec un beau petit fond. Ça, c'est un papier de chez Action, il me semble, avec des petits pois roses et en feuille le bleu. Avec des petites bottes printanières avec les petits oiseaux et les petites fleurs. Ça, je crois que c'est la dernière planche de stickers sur laquelle j'ai craqué aussi, d'ailleurs, qui est super belle. Des petites demi-perles argentées. Un petit café. Un papillon qu'elle a mis sur de la mousse 3D. Et une belle étoile argentée. Et donc derrière, ah bah tu mets, ah pas mal. Elle a fait une petite pochette en fait à l'arrière. Comme ceci. Avec un petit trombone. Et, ah c'est bien, tu m'as mis tes coordonnées derrière. Oh bah il y a un petit mot. J'aime à peu près tout. Même si je ne connais pas tout. Normal. Tu n'aimes pas le junk. Tu aimes le rouge, l'automne. Oui, moi aussi, j'aime l'automne. Les motifs asiatiques. Oh, merci, c'est gentil. Oh, merci. Oui, ça aussi, ça compte. Merci. Elle me dit que ma voix est agréable à écouter. C'est vrai que je suis aussi très sensible aux voix. Génial. Ah, bah, c'est bien. J'ai toutes tes coordonnées. C'est impeccable. Merci beaucoup. Ta date de naissance et tout et tout et tout. Comme ça, tu vas être dans mon petit agenda d'anniversaire. Ça, c'est super. Je regarde. Ah, bah, t'es de la fin de l'année, comme moi. Moi, je suis un mois avant toi. Hop là. Donc, voilà la jolie Memory Dex que je vais perforer tout de suite, d'ailleurs. Hop. Alors. Hop, hop, hop. Ça devrait passer. On y est presque. Et voilà. Voilà. Perforé en Memory Dex. Comme ceci. Voilà. Donc la jolie Memory Dex de Annick. Alors là, j'ai une petite ATC. Elle est jolie comme tout ton petit papillon. Là, c'est super sympa. Donc une petite ATC avec une petite découpe de fleurs jaunes.
un petit sticker avec une pile de livres et il est très joli ton sticker là, avec les livres et les petites fleurs violettes. Un petit papier dans les violets qui tire un peu sur le gris avec des toutes petites fleurs en glitter. Et très joli ton petit papier de fond là. Des petites demi-perles. Très mignon. Et il s'appelle Le Printemps. Ah bah oui. Mais c'est là une sur une, c'est rien que pour moi. Et elle a aussi décoré l'arrière de son ATC avec une jolie hirondelle qui est fait le printemps d'ailleurs. Et une jolie petite bordure avec des fleurs. Très sympa. Merci beaucoup Annick, c'est gentil. Alors, elle m'a mis un paquet de plumes. Des petites plumes dans les tons crème. Bah écoute, j'en avais pas de cette couleur-là. J'en ai des roses, des bleus, mais j'en ai. Bah c'est super. Bah je te remercie beaucoup. J'en avais pas du tout de cette couleur-là. Non, bah super. Merci beaucoup. Hop, ensuite, je crois que tu m'as fait un mini-album. Oh, bah il fallait pas, c'est gentil. Merci. Il se ferme avec un petit scratch. Alors, on a. Sur la couverture, on a un joli papier vert avec des petites fleurs de. C'est des fleurs de sakura de cerisier, ça. Dans les tons roses. Et il est très joli ton papier. Le même papier que sur la Memory Dex. Rose avec les petits points de feuille, le bleu. Un joli embellissement avec un rond dans les tons gris anthracite. Une découpe de. Comment je pourrais appeler ça? Festonné un petit peu avec un papier miroir rose et blanc. Une autre découpe festonnée comme une fleur en fait. Dans les tons, dans le même papier. Et entre les deux, un cercle. C'est très chouette. Je te remercie beaucoup. Un petit sticker, deux petits stickers avec des roses. Et derrière, on retrouve le joli papier. Donc, tu débutes, mais c'est propre. Hein? Nickel. C'est super bien travaillé. Je te remercie beaucoup. Et c'est. Oh, mais c'est super joli! Regardez-moi ça! C'est un album pochette. Oh, j'adore! Oh, merci Annick! Oh là là! Ah, merci Annick! C'est super joli! Regardez-moi ça! Avec des petites pochettes. Ah, oh, j'aime beaucoup! J'en ai jamais fait dans ce style-là. Bah écoute, j'aime beaucoup. Alors, on a des pochettes avec des emplacements photos. Voyez? Comme ceci, avec elle a découpé des cercles qu'elle est venue recoller pour faire des onglets. Ah, c'est super sympa! Et elle a fait des encoches aussi à ses pochettes. Oh, très chouette! Écoute, merci beaucoup. Il est très très chouette. J'aime beaucoup. Ah, c'est très sympa! Très très sympa. Je vous montre hein, les onglets. Et chaque pochette a une couleur différente. Rose, rose à petits pois, blanc à petits pois rose, rose. Et c'est. Ah oui, c'est très très chouette. Vous voyez? Les petits onglets. Ah, c'est super sympa. Bah écoute, je te remercie énormément. C'est super bien fait. Hein, je vais te dire. Bah continue le scrap parce que tu te débrouilles très 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 bien. Hein. Parce que je peux te dire que moi, 6 mois de scrap, je faisais pas ça. Hein. Bravo Annick. Bah écoute. Très chouette, merci infiniment. Ça me touche, c'est très sympa. J'aime beaucoup, merci beaucoup. Et là, tu as fait une jolie pochette avec du papier calque, bien travaillé aussi, super. Avec un petit rabat, c'est un beau papier calque avec des fleurs de lilas dessus ou d'hortensia. C'est des hortensias, j'ai l'impression. Oui. Avec comme du cordage marin, des petits zigougous. Il est joli comme tout ton papier là. Et donc dedans, il y a plein de merveilles. Attendez, je fais un peu de place. Je vide. Regardez-moi ça un peu. Oh, il y en a plein. Attendez, je fais de la place. Je fais de la place. Il y en a encore. Tout ce que tu m'as mis, oh, c'est trop, Annick. Il y en a encore. Eh bien, dis donc. Je crois que je suis au bout. Oui, j'ai tout pris. Alors, hop, je mets tout vers moi et je vais vous montrer ça petit à petit. Alors là, elle m'a fait une belle découpe. Ça fait comme comme un grand onglet. Une en papier calque et l'autre en papier blanc. Là. Le négatif d'un papillon qui, je pense, est ici. Oui, c'est ça.
comme ça. Ça, c'est une bonne idée d'envoyer le négatif aussi. C'est très chouette. Des petites tailles. Ça, c'est les petites Paperlux de chez Action. La petite fleur qu'on retrouve sur son ATC, dans une autre couleur. Un joli paperclip. Un beau papillon dans les tons. Ils sont, les beaux tons papier gris, là aussi, un peu. Il est légèrement irisé, pailleté. Il est très joli. Un petit rond festonné, ça j'aime bien aussi. Un grand rond festonné, comme une fleur en toile de jute, c'est très sympa aussi ça. J'aime beaucoup. Un coin. Un gâteau d'anniversaire. Des bannières, elles sont belles aussi les bannières là. Happy birthday, with love, best wishes, with love. Très joli ton nom. Ils sont très beaux, les papiers sont très jolis. Best wishes, just to say. Hein, sympa ça comme, comme sentiment. Congratulations. Best wishes, best wishes. Là aussi. Ah, ils sont sympas tes. J'aime beaucoup en rose pâle comme ça, c'est très joli. Une petite fleur dans les tons gris. Des petits stickers tout mignons. Ah oh oh, comment elle s'appelait cette petite pépette? Ça me fait penser à des livres que je lisais quand j'étais petite. Je crois, c'était les Émilie. Les petits livres, les premiers livres de lecture que j'avais quand j'étais petite, c'était, ça s'appelait Émilie. C'était une petite nénette aussi habillée tout en rouge avec sa capuche sur la tête. C'est très mignon. Merci. Ça, c'est un joli embellissement. Alors ça, je me demande si c'est pas une collection Stamperia, il me semble. Avec trois petites pépettes, vous avez vu, c'est mignon comme tout. J'aime beaucoup. C'est sympa. Merci. Encore des petites étiquettes. Oh, il y a dans les tons vermint. Dis donc, ils sont très jolis, tes étiquettes, là. Encore un petit tag. Just to say. Plein de petits tags. Sur le ton de l'automne. Tout ce que j'aime. Des petits cadres en bois. Très jolis, merci. Et encore des étiquettes. Ah bah, dis donc, tu m'as gâtée. Magnifique. Tout ça, tout ça. Eh bien. Eh bien, Annick, je te remercie infiniment de ta jolie participation. Je suis très contente. Merci beaucoup. Hop. Et voilà. Tout ça, tout ça. Merci beaucoup à toi, Annick. Écoute, tu as le numéro 21. Et puis, je vais faire comme les autres semaines. Je vais incrémenter les courriers qui arrivent ensuite, à la suite. Voilà. Alors, je vais ouvrir la participation numéro 22 qui vient d'arriver. C'est la participation de Cathy Scrap. Nous sommes jeudi. Non, mercredi. Nous sommes mercredi 9. Oui, c'est ça. Mercredi 9 mars. Donc, c'était dans ma boîte aux lettres ce soir. Donc, Cathy, merci pour ta participation. Donc, c'est bien arrivé. Je t'envoie un mail juste après. Donc, tu as le numéro 22. Alors, je vais ouvrir l'enveloppe. J'espère que vous allez toujours bien. Pour vous, c'est toujours la même vidéo. Hein. Moi, il y a 2 ou 3 jours d'écart, mais pour vous, c'est toujours la même vidéo. Hop, je vais faire attention de ne pas être... Voilà. Oh, joli. Oh, c'est trop joli. Hop, là. Je vais faire attention de ne pas montrer de coordonnées. Oh, c'est printemps, mais c'est joli. Alors, je vais commencer par la carte. Non, ça va, c'est pas dans le champ parce qu'il y a ton adresse. Il y a une jolie carte dans les tons bleus avec plein de papillons. Il est beau ton tampon, là, dis donc. Alors, il y a un joli, une base blanche, un papier vert à petits pois dorés et un papier bleu à pois blancs avec des jolis tamponnages en bleu. Que du bonheur, une petite étiquette. Oui, c'est que du bonheur de recevoir vos créations, j'adore. Un petit papillon en bois dans les tons bleu-vert. Un joli tamponnage de papillon. Il est très très fin, il est très joli ton tamponnage. J'aime beaucoup. Hop, je vais régler mes lumières. Voilà, ça c'est mieux. Des petites fleurs avec des demi-perles, des énamelles d'hôtes en rose, en vert, en bleu. C'est très très beau.
J'aime beaucoup. Merci Cathy. Oui, je vais bien, je te remercie. Oui, ça me fait plaisir. Non, non, pas toutes les mêmes goûts, mais c'est pas grave. Moi, ça me plaît énormément de découvrir vos univers. Puis voilà, pour moi, toutes les créations sont belles parce que voilà, vous avez pris du temps pour scraper. Pour moi, enfin, c'est pas après les goûts et les couleurs, ça rentre pas toujours en ligne de compte. Ce qui compte, c'est vraiment ce plaisir de recevoir en fait vos univers et de les découvrir. J'adore. Moi aussi, je te fais des gros bisous. Bisous, Cathy. Merci beaucoup. Donc, tu m'as fait une petite Memory Dex et une petite ATC. Alors, une Memory Dex. Ah, dans cette forme-là, je crois pas que j'ai reçu encore. C'est sympa aussi. Avec ça, c'est la jolie planche de chez Action, là, que j'ai craqué dessus aussi. Elle est magnifique. Avec un beau sticker. C'est très printanier. Avec l'oiseau, son nid, les petits œufs, des fleurs. Des strass, des sequins, des petits papillons. Ouais, c'est très très chouette. Ah, mais on retrouve le même papier. C'est un joli ensemble que sur ta carte. C'est chouette. Cathy Scrap, pseudo YouTube. T'as pas de chaîne? J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé de chaîne à ton nom. Je pense pas, hein, que t'es de chaîne. Tu adores scraper Noël, l'été, le thème bébé et nature. Ouais. Noël, j'aime bien aussi. Même si je m'y prends tous les ans trop tard et j'ai pas le temps. En fait, à Noël, je scrape tellement pour les autres que du coup, cette année, j'ai pris le temps quand même de me faire un December Daily, mais je me fais jamais d'album, rien. Il va falloir que je prenne un peu plus de temps pour scraper pour moi quand même. Mais ouais, moi aussi j'aime bien scraper Noël. J'aime bien le rouge et le vert. J'aime bien le Noël traditionnel. Alors là, j'ai un joli ATC avec le joli sticker. C'est vraiment très printanier. C'est mignon comme tout. Avec cette jolie strass là, tout pailleté. Le rose, les paillettes, ma vie. Le temps des beaux jours. Super. Je te remercie beaucoup, Cathy. Et tu me dis que tu m'as fait des embellissements. Ils sont très mignons. J'aime beaucoup. C'est sur du papier crépon. Alors je vais pas, je vais, ouais, vous le voyez bien. Je vais pas l'ouvrir. J'ai une jolie rosace en papier crépon avec un petit lapin, des étiquettes, des petits feuillages, des sequins dans les tons. C'est un papier holographique, c'est vert tendre un peu et rose fuchsia, c'est sympa. Là, une autre rosace. Il y a trois jolies rosaces avec des papillons, un beau fil. Oh, il est beau ton fil doré là, dis donc. Il est joli. Big Kiss, un petit tag mignon avec un petit oiseau. Ils sont mignons, elles sont belles tes découpes. Et un autre avec un papillon, des petits cœurs et toutes ces petites étiquettes. Là, j'aime bien. Joli moment, unique. Très sympa. Bah, écoute, Cathy, merci infiniment pour ta participation. Donc, tu as le numéro 22. Et bah, moi, je vous retrouverai sûrement d'ici la fin de la semaine pour une ou deux autres ouvertures.